Et on commence ce résumé en remerciant tous les gens venus voir le match, malgré un vent glacial qui était désagréable. Donc il fallait pas arriver en retard, mon sou, parce que 3ème minute de jeu, voilà, une volonté des Blancs d'aller vers l'avant. Allez, on apprend. Un jeu de passe qui se construit. On envoie à gauche pour Nico. Nico qui fait un centre. Amorti poitrine de Max. Tacle. Et Lucas qui ouvre le score. Qui finit bien une belle action construite. Ça fait plaisir d'avoir des actions construites. C'était un peu ce qui manquait. Et donc c'est vraiment une belle réaction des Blancs là qui sont en train de retrouver peu à peu un jeu. Donc on voit ici le nouveau placement de Lucas Gagnant qui joue en milieu droit. Et la réussite est pour Monsou parce que 2 minutes plus tard, donc 5ème minute, encore donc une transition. C'est ça les gars, continue. C'est dommage qu'on la voit mal. Et là, Kékette qui fait une reprise des volets et qui double la mise. 2-0 pour Monsou au bout de 5 minutes de jeu. Donc à ce moment-là, on peut s'imaginer que le match va devenir facile et qu'il y aura plein de buts. Donc là, on revoit bien la reprise des volets entre 18 et 20 mètres du gauche. Hein. Kékette est un droitier. Donc il met la bonne force, suffisamment pour lober le gardien. On la revoit une deuxième fois. Hop. Kékette qui est un habitué de la reprise des volets, c'est sa 3ème ou 4ème depuis qu'il a Monsou. Comme ça. 13ème minute, réaction d'Hermon. Voilà. Coup franc dévié par le mur qui atterrit sur la transversale. Donc voilà, Hermon ne baisse pas les bras, au contraire, relève la tête. 21ème, encore un corner, toujours très dangereux. Et là, un joueur de Taverny a frappé à bout portant sur notre gardien Bud qui a bien maîtrisé le ballon. Et la 26ème minute, c'est le fait de jeu du match. 2ème carton jaune, on peut regarder. Voilà, quand même quelque chose d'assez agressif. Bon, ça valait un carton jaune, si ça a été la 2ème faute. Donc, carton rouge. Ce qui fait que Hermon jouera à 10 à partir de la 26ème minute le reste du match. 34ème, malgré tout, voilà, ben Hermon continue à attaquer, reste dangereux. Il y a 2-0, voilà, le match est quand même assez équilibré. On voit toujours les Blancs qui essayent de jouer, de produire du jeu. Et là, c'est une frappe de Nico, qui n'est malheureusement pas cadrée, ou a été déviée. Deuxième mi-temps, 56ème minute, corner pour Monsou. Joli contrôle de Kékette qui se retourne, qui frappe et il en manque pas grand chose pour pouvoir couper cette frappe. 58ème minute, encore une action. Alors c'est Nico qui peut centrer son ballon sur la tête de Kékette, hop, et qui touche la transversale. Donc c'est vrai que le tandem Nico-Kékette a pas mal fonctionné ce matin. 74ème minute, donc on joue encore à gauche. Encore une fois, c'est un ballon pour Nicolas. Nicolas qui donne à Nono, et Nono qui tente une frappe à la Valbuena, mais malheureusement pas cadré. Enfin, 83ème minute. Hermon qui ne baisse pas les bras, et une frappe n'est pas cadrée. Donc, fin du match sur le score de 2 buts à 0. Très bonne opération pour Monsou au classement. Et on verra ce qui se passe par la suite. A bientôt!